Merci, merci Monsieur l'Ambassadeur, merci Madame la Bibliothécaire. C'est ma deuxième venue parmi vous, c'est dire que ce n'est pas seulement l'auteur d'un livre qui est là, mais un ami. Et donc c'est dans ce double contexte de la discussion scientifique et de l'échange amical que je voudrais ouvrir cette séance maintenant par quelques mots de présentation du livre. Je suis honoré de voir que vous l'avez en main, je ne vais pas le résumer, je voudrais juste vous en donner l'esprit de manière à lancer la discussion. Pourquoi ai-je choisi ce thème de l'hégémonie ? Ben, il faut savoir que ce mot et ce concept sont parmi les plus anciens, sinon le plus ancien, dans la science politique. Le mot hégémonie vient tout droit de l'historiographie, de la philosophie grecque, d'un éminent auteur qui est connu, cité, peut-être d'ailleurs souvent de manière abusive et distraite, je vais y revenir dans un instant, qui est Thucydide. Thucydide est très précis, et il nous dit « l'hégémonie a quatre propriétés, et si l'une des quatre n'existe pas, l'hégémonie disparaît ». Premièrement, étymologiquement, l'hégémone, c'est le conducteur. C'est celui qui conduit les autres. Ce que l'on appelle le leader. Deuxièmement, il faut que cette conduite hégémonique soit utile, fonctionnelle, bonne. L'hégémone est considéré comme étant bienveillant, utile à tout le monde, indispensable. Troisième caractéristique de l'hégémonie, il faut qu'elle produise un ordre international. C'est-à-dire l'hégémone, c'est celui qui invente le système international, qui en définit les règles, les normes, les contours, les institutions. Et enfin, quatrième caractéristique de l'hégémonie, et ça c'est absolument fondamental, c'est que l'hégémone est désiré. C'est-à-dire l'hégémone ne s'impose pas. On lui demande, comme les cités grecques suppliaient Athènes d'être ce conducteur. Et donc, l'hégémone non seulement est attendu, demandé, désiré, mais aimé, vénéré. Il ne peut pas y avoir de coercition dans l'accomplissement de la fonction hégémonique. Alors, si vous dites tout cela, vous êtes obligé d'admettre que l'hégémonie est quand même un bien très très rare dans l'histoire. Et alors, la question que je me suis posée, pourquoi ça ne marche pas, même lorsque les circonstances sont les plus favorables? Et là, je développe dans mon livre trois hypothèses. Les trois grands mouvements de l'histoire contemporaine qui ont définitivement asphyxié l'idée hégémonique. Le premier, c'est la décolonisation. Nous ne savons pas voir la décolonisation. Or, qu'est-ce qu'il y a derrière la décolonisation ? Il y a trois phénomènes extrêmement importants qui vont asphyxier l'hégémonie. Le premier élément, c'est que pour la première fois dans l'histoire, avec la décolonisation, le monde est pluriculturel. Le système international, jusqu'en 1945, il était uniquement européen. L'Amérique du Nord, c'est l'Europe. Uniquement européen. Et donc l'hégémonie pouvait se faire parce qu'il y avait une vraie convergence de cultures, d'intérêts, d'histoires. Aujourd'hui, de la décolonisation est né un monde plural, et le plural est irréductible à l'unique, et donc à l'hégémonie. Et ça, c'est un premier point. La deuxième raison qui a aggravé la chose, c'est que la décolonisation, je vous disais tout à l'heure, a été ratée, elle s'est mal faite, elle s'est faite par l'exclusion des États récemment décolonisés. C'est-à-dire exclusion de la gouvernance globale. Tout ceci a provoqué une cassure dans le monde, a provoqué la naissance et la prolifération de diplomaties protestataires, et de ces diplomaties protestataires, l'hégémonie ne pouvait plus se reconstituer.
D'où effectivement le mouvement des non-alignés, le G77, autant d'antidotes face à l'hégémonie. Et la troisième raison, c'est que, ça c'est une chose sur laquelle vous êtes amené en toute première ligne à débattre, nous on est là pour suggérer, c'est que effectivement, la décolonisation s'est faite par l'importation du modèle étatique occidental, donc a donné naissance à une faible légitimité d'institutions souveraines et indépendantes, et que de cette faible légitimité a dérivé une sortie des sociétés de l'espace politique, et autant il est facile d'exercer l'hégémonie sur des États, autant il est difficile d'exercer l'hégémonie sur des sociétés. Le deuxième facteur, c'est la dépolarisation. C'est-à-dire la chute du mur, ça a créé un gigantesque cataclysme qu'on a sous-estimé. Je pense qu'il y a eu deux conséquences à la chute du mur. C'est d'abord la fin de la puissance, car la puissance n'existe que quand elle a en face d'elle la puissance. Et donc là, il n'y a plus de puissance pour alimenter la puissance américaine, donc elle dépérit. Et puis deuxièmement, c'est ce que j'avais fait dans une interview donnée lors du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin au journal Libération. J'aurais dit que le principal événement de la chute du mur, c'est l'apparition d'un clivage nord-sud. C'est-à-dire, c'est dans un sens vertical et non plus horizontal qu'il faut lire les rapports internationaux. Et puis enfin, dernier élément, c'est la mondialisation. La mondialisation, elle est anti-hégémonique. Pourquoi ? Parce que la mondialisation, c'est l'interdépendance. Interdépendance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le monde dépend de tout le monde. Le faible dépend du fort, mais le fort, désormais, de plus en plus, dépend du faible. Alors, et pour terminer, l'Afrique dans tout cela. L'Afrique dans tout ça, elle vit d'abord une séquence de son histoire que l'on n'a pas su non plus analysé de près, qui est l'échec complet et systématique de toutes les interventions hégémoniques. Et ça, dans l'histoire des relations internationales, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans les universités africaines, qu'on voit chez les jeunes, mes jeunes collègues africains, une émancipation par rapport aux deux modèles qui dominaient dans les premières universités africaines. Le tiers-mondisme, qui était « je n'existe que dans ma lutte et dans mon affrontement à l'hégémonie », et le mimétisme, c'est-à-dire « je n'existe qu'en suivant l'hégémone qui est appelé à dresser, à définir, à tracer la voie ». Eh bien, ça c'est fini. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinairement important. L'autre élément, c'est que l'échec de l'hégémonie est en train de révéler ce qui est l'objet du livre que j'écris en ce moment, prochain, donc peut-être l'année prochaine on en discutera, qui est en train de dessiner les cadres d'un désordre social créatif. C'est-à-dire que l'hégémonie ayant échoué, c'est maintenant vers les sociétés qu'on regarde. Et on s'aperçoit que le germe de la conflictualité se trouve dans ces désordres sociaux dont je parlais tout à l'heure. Et donc, c'est bien une pensée nouvelle, c'est bien un agenda nouveau, c'est bien des priorités nouvelles qui naissent de tout cela. Quant à l'hégémonie elle-même, que devient-elle ? Eh bien, elle berce nos vieux rêves d'Européens, et c'est la raison pour laquelle j'ai baptisé l'hégémonie un mythe. Qu'est-ce que c'est qu'un mythe ? C'est un récit imaginaire qui ne peut pas se réaliser, mais qui est quand même performatif, c'est-à-dire qu'après 2 millénaires et demi d'échecs, on continue à y croire. Vous connaissez la fameuse loi de Dunning qui consiste à dire « plus on échoue, plus on croit qu'on va y arriver ». Eh bien, c'est ça, les relations internationales aujourd'hui. Je vous remercie. La formule magique, c'est, pendant que je parcourais ce livre du professeur Badi, c'était Ordo ab Chao. Pour les initiés, ils savent que c'est une formule qui permet de lier intimement l'ordre et le chaos, et que tous les grands acteurs du monde
ont pour cette formule une approche différente, mais qui permet d'organiser la société mondiale. Et le professeur est en plein dans cette problématique. En même temps, il parle de l'hégémonie comme mythe, et il insiste, malgré tous les arguments qu'il a donnés, il insiste aussi sur l'ambiguïté qui accompagne souvent l'hégémonie. Et tout le monde sait que quand on sort de l'ambiguïté, c'est souvent à nos dépens. L'intérêt d'assister à ce genre de présentation est quand même déjà de profiter de l'expérience de M. Bertrand Badie sur les questions internationales et d'avoir un peu ce regard sur les relations internationales qui aujourd'hui font l'objet de plusieurs débats. Lorsqu'il parle de nouvelles formes de domination entre les États, il essaie de nous montrer en quelque sorte que l'hégémonie que nous connaissons tous, l'hégémonie, la domination de certains États sur les autres aujourd'hui, n'existe pas. Donc ça, c'est ce postulat qui m'a déjà intéressé dès le départ, c'est que cette hégémonie est un mythe. À travers son livre, il nous amène à comprendre que cette notion d'hégémonie, finalement, est une construction finalement imaginaire, donc un mythe qui ne procède pas toujours de la réalité, notamment à travers les exemples qu'il a illustrés à partir de son propos. D'une part, entre les États-Unis et la Chine, en montrant finalement qu'il y a dans cette notion d'hégémonie une forme d'équilibre, puisque celui qui a le projet hégémonique est toujours confronté à une autre puissance. Donc il y a une forme de rapport de puissance qui fait que cette notion d'hégémonie est en quelque sorte mise à mal. Et voilà.